Vous m'avez montré des photos de votre voyage et je voudrais partager avec nos téléspectateurs. Vous pouvez raconter les histoires qui se cachent derrière ces clichés. Ok. Regardons ensemble. Oh. Oh, Ah, vous étiez ensemble dans une mais école. oui, mais oui. Là, on était dans une école. Primaire? Une école primaire, oui. Avec une ambiance. Non, ben, vous le voyez, mais là, il n'y a pas le son. Mais ça piaillait. Hein. Oh là là, c'était vraiment formidable. Et alors, moi, j'ai une petite anecdote quand même à ce sujet-là. C'est que ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma fille. Ma fille qui vit au Ah oui. Canada. Et comme je devais lui envoyer un message pour lui souhaiter bon anniversaire, depuis que ses enfants étaient tellement chaleureux, j'ai demandé au professeur, j'ai dit, ils savent chanter Joyeux anniversaire, Happy birthday to you? Oui, bien sûr! Et donc tous les enfants se sont mis à chanter dans une classe Happy birthday to you, mais également en tibétain. Donc j'ai filmé ça, j'ai envoyé ça à ma fille en disant, bah, tu vois, en les filmant et en revenant, en disant, tu vois, les jeunes Tibétains te souhaitent bon anniversaire. Elle m'a dit, papa, j'avais les larmes aux yeux. Ma fille Léa, donc, qui avait ses 19 ans, m'a dit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces enfants. Donc, ça aussi, c'est une preuve très spontanée de bien-être. Voilà, moi, j'aime la spontanéité. Ce qui est très intéressant sur cette photo, vous pouvez le voir au loin, vous avez à la fois des hanze juste en bas Oui. et en même temps Et tibétain. l'écriture tibétaine. Tibétaine. Oui, c'est Donc, très mélangé partout. exactement, donc ça caractérise véritablement le type d'enseignement qui est dispensé dans l'école. On voit que les cours sont bilingues, il y a à la fois des cours donc en mandarin et des cours en tibétain. Donc la culture locale est complètement respectée. Et les enfants, comme tu l'as si bien dit Olivier, ils ont même des cours en anglais. Donc parce que Oui, lorsqu'ils ont chanté il est Happy petit, Birthday, il ça a est été, petit. ils l'ont Oui, fait tous oui. très spontanément, très naturellement. Donc on peut voir, regardez le visage des enfants, ça, on lit la joie, le bonheur, la bonne humeur. Honnêtement, moi j'ai été agréablement surpris par les locaux, l'infrastructure. L'école était vraiment. L'édifice de l'école était vraiment très très Ah impressionnant. oui, c'était ultra moderne. Et puis c'est très joyeux tout ça. Voilà, c'est un peu important. Vous savez, il faut bien que les téléspectateurs comprennent. C'est mon cas, c'est aussi le cas de Yves, bien sûr, mais c'est particulièrement mon cas, puisque je suis ni diplomate, ni journaliste à proprement parler, mais plutôt animateur, grand voyageur, témoin. Je ne parle toujours que de ce que je vois, de ce que je connais. Donc c'est toujours vrai. Alors, il y a aussi d'autres aspects, d'autres angles, d'autres choses, mais en ce qui concerne ce qu'on a vu et ce qu'on relate, c'est cette vérité de bien-être, de bonheur, d'équilibre, qui est une réalité, voilà, qui existe vraiment et qu'on a eu le plaisir de partager. Je voulais quand même le préciser, voilà. Vous avez visité l'école, l'hôpital, Oui. des endroits touristiques. Que pensez-vous du développement économique local en matière d'infrastructure, du. Comme on le disait en préambule, il y a un vrai développement. Mais bon, c'est très chinois, ça. C'est-à-dire que j'en parle souvent à des amis occidentaux. La Chine a une grande qualité de base, c'est que la richesse est redistribuée. Donc le pouvoir économique de la Chine est partagé. Donc il est partagé partout. Donc ça veut dire des nouvelles infrastructures, des nouvelles routes, des hôpitaux. On le voit en quelques années, on a vu l'évolution incroyable qui s'est passée ici. Donc on la retrouve également, cette évolution architecturale et industrielle et au niveau des routes et des infrastructures. Oui, Donc on la retrouve aussi au Tibet. on ne s'attendait pas à avoir une telle modernité, des immeubles flambant Voilà. neufs, Ouais. l'Internet au débit, enfin, plein Oui, de. moi j'étais invité comme toi à la télévision locale. Bon, ils n'ont rien à envier. Bon, c'est pas CCTV, évidemment, ici. Bien sûr. Mais ils ont rien à envier à n'importe quelle télévision locale, moderne, en Chine ou ailleurs, quoi. Donc, on sent vraiment que ils sont dans le présent et déjà dans le futur. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils sont aussi dans le passé. Et c'est très important de ne surtout pas renier le passé. Les racines Et sont garder leur extrêmement importantes et tradition, garder bien la sûr. tradition, garder l'authenticité, garder c'est primordial, c'est essentiel, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, au cours de mes conversations de comptoir avec les natifs, il y a certains Tibétains qui me disaient même, mais tu sais,
Mon cher Yves, j'ai moi j'ai mon une chéri, j'ai cru. Moi j'ai une identité multiple. Je me sens à la fois chinois et tibétain. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme genre de conversation pour eux. C'est le Tibet chinois. Ils ont une forte identité marquée en tant que Tibétain, mais aussi ils se sentent aussi appartenir à une plus grande nation, un plus grand territoire. Oui, c'est très important ça, parce que on parle franchement. Ça serait très ennuyeux, ça serait très gênant pour nous si on voyait. Et moi, je tiens à le dire, c'est pas le cas. Si on voyait que ça y est. Tu es chinois, tu n'es plus tibétain, tu n'es plus ouïghour, tu n'es plus kazakh, tu n'es plus... Non, dans toutes les régions qu'on voit, il y a quand même 56 minorités, c'est ça. Les minorités, c'est très important, ça fait partie de l'histoire de la Chine. Donc on est chinois et... ou alors on est et chinois. Enfin, c'est un ensemble. On doit, et nous on apprécie beaucoup de voir ça, on doit garder la culture originelle. C'est ce qui fait la richesse de la Chine. La Chine n'est pas uniforme, elle est pleine de contrastes, ne serait-ce que par son immensité, par ses paysages différents, par son climat différent, par ses cultures différentes, par ses histoires différentes, par ses ethnies différentes. Tout ça, c'est la richesse de la Chine. Donc les minorités sont encouragées, et moi j'en suis l'un des premiers à défendre cette idée-là, à cultiver leur authenticité, etc. Bien sûr, dans la grande famille chinoise, mais c'est l'histoire de la Chine. C'est l'histoire de la Chine. Donc les Tibétains sont des Chinois, mais ils sont tibétains.